service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les moines moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Frères et sœurs, nous continuons à accueillir l'enseignement que Jésus a donné sur la montagne, ce magnifique sermon qui, chaque dimanche, nous donne à redécouvrir une des pièces maîtresses de l'enseignement évangélique, des textes qui sont extrêmement connus, même de ceux qui fréquentent peu nos assemblées dominicales. Et aujourd'hui, la partie que nous méditons, qui nous est donnée à proclamer, commence par une sentence très forte, une affirmation radicale. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et donc, cette affirmation nous invite à deux remarques. La première, c'est de dire, qui est-ce que je sers? Qui ai-je choisi de servir? Et la question est moins évidente qu'elle en a l'air. Parce qu'évidemment, nous avons mille préoccupations futiles, nous en sommes plus ou moins esclaves, mais nous les connaissons et souvent même nous les reconnaissons pour ce qu'elles sont. Puis, nous avons, plus profondément, mille préoccupations légitimes. Il faut bien gagner sa vie, on a besoin d'argent pour vivre, il faut bien s'habiller, il convient de vêtir ses enfants et de les nourrir, etc. Donc ces recherches-là, Dieu ne les remet pas en question. Ce n'est pas du tout une espèce d'utopie économique qui est développée dans ce passage. Mais simplement, il y a une quête encore plus profonde, un mouvement fondamental de notre désir qui est orienté vers qui, vers quoi. Évidemment, nous aimerions tous répondre à cette question, mais c'est d'abord Dieu que je cherche. Mais est-ce si sûr? Et là, sans doute, il faut observer nos actes, il faut observer les choix que nous avons posés dans la vie. Ce sont eux qui nous renseignent sur le maître que nous servons. Vous savez, on a tous fait l'expérience d'arriver un jour pour la première fois dans un pays étranger, et lorsqu'on observe les paysages, que ce soit la campagne ou les paysages urbains, on a de grands enseignements sur les priorités du peuple qui vit là, sur leur culture. Est-ce qu'ils font passer la religion en premier? Est-ce qu'ils font passer le commerce en premier? Est-ce que ce sont des commerçants? Est-ce que ce sont des philosophes? Il y a des tas de choses qui peuvent se dire par l'observation du paysage. Il en est de même de notre âme. En observant les constructions que nous avons faites, les choix que nous avons pesés, il est possible de dire qui nous sommes. Et cette quête-là est l'objet de l'enseignement du Seigneur Jésus que nous entendons ce matin. Parce que, et c'est la deuxième remarque, cette affirmation « vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent » n'est pas une invitation à choisir. Le Seigneur ne nous dit pas « soit vous choisissez Dieu, soit vous choisissez Mammon ». Ce serait quand même stupéfiant que le Seigneur Jésus laisse pour option de notre liberté que de choisir le mal. Ce serait une liberté dévoyée, ce n'est pas lui qui va encourager ça. L'alternative fondamentale que Jésus met en avant, c'est celle qui oppose la vie filiale et ce qu'il appelle la préoccupation. Et c'est ainsi qu'il faut recevoir les belles images bucoliques qui sont développées. Il y a celui qui reçoit la vie comme venant de Dieu, c'est-à-dire celui qui reconnaît Dieu comme son créateur, mais pas seulement celui qui a donné l'étincelle vitale au jour de sa conception et qui s'est développé dans sa naissance, son éducation et sa croissance. Non, celui qui considère que chaque jour la vie est à recevoir de Dieu. Que la vie est ce qui nous relie à Dieu, ce qui nous ouvre à Dieu, ce qui nous tient en dépendance de Dieu. C'est la vie filiale. C'est celui qui accepte de tout recevoir de Dieu. Et alors celui-là, au milieu des préoccupations quotidiennes, reconnaît la main de Dieu qui l'assiste, qui le guide et qui se débrouille souvent bien mieux que lui pour résoudre les petits problèmes de la contingence. Et il y a celui, au contraire, qui se préoccupe. Et celui-là constate qu'il est en vie et que cette vie est à entretenir. Mais comme il se préoccupe, c'est-à-dire qu'il se fait l'administrateur exclusif de cette vie. Il prétend que c'est à lui et à lui seul que revient l'entretien de la vie, que ce soit l'habillement, la nourriture, etc. Et dans l'attitude qu'il a de pourvoir aux nécessités quotidiennes, il dévoile une prétention à l'autonomie par rapport à l'origine, par rapport à la source de toute vie.
C'est-à-dire que la manière dont il entretient sa vie montre qu'il ne veut dépendre en rien, il cherche l'autonomie. Au-delà d'entretenir sa vie, il prétend être le garant de sa vie et bientôt être le maître de sa vie. Tel est l'esprit de celui qui se préoccupe et qui finalement témoigne que dans son cœur il y a une certaine jalousie, une certaine rivalité à l'égard de Dieu en tant qu'il est père, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Donc vous voyez que cet évangile ne nous invite pas à nous détacher des soucis contingents, mais au contraire à nous interroger ce qui, au fond, plus profond, anime la manière dont nous résolvons tous les problèmes du quotidien. Est-ce que nous avons choisi la vie filiale, c'est-à-dire que nous comptons sur Dieu de qui nous nous recevons chaque jour, et nous savons que s'il est capable de nous donner la vie, il est bien capable de nous aider à l'entretenir? Ou bien est-ce que nous accueillons la vie comme un bien qu'il faut s'accaparer, qu'il faut maîtriser? Eh bien, dans ce cas-là, nous servons Mammon, alors que dans le premier cas, nous servons Dieu. Et on ne peut pas servir les deux. Et la question, c'est, qui servez-vous? Quand une quête profonde traverse une vie, sa résolution apporte la paix. Celui qui toute sa vie cherche Dieu comme objet ultime de tout désir, éprouve la paix de le rencontrer, de le trouver et de se recevoir de lui. Et c'est dans ce sens-là que Jésus nous dit « Cherchez avant tout le royaume et sa justice ». La justice, vous le savez, est une des caractéristiques essentielles de la vie filiale. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire que, au lieu de nous proposer un choix entre Dieu et Mammon, le Seigneur nous montre la place de la providence dans notre itinéraire spirituel. Non pas la providence comme une assurance tout risque, car elle n'est pas là simplement pour compléter le don initial de la vie par les 1000 petits dons dont nous avons besoin au jour le jour, mais la providence marche aussi dans l'autre sens, en quelque sorte, c'est-à-dire que par les 1000 attentions quotidiennes que Dieu fait en intervenant dans notre vie pour les petites choses de chaque jour, nous avons une chance de reconnaître qu'il est Père, de nous rappeler qu'il est Père et qu'il nous donne la vie et que c'est lui l'objet ultime de notre désir. Voilà la vie que Jésus nous demande de mener, une vie qui abandonne toute préoccupation. Ça ne veut pas dire qu'il renonce à régler les problèmes du quotidien, mais qui renonce à se croire maître de sa propre vie. Renoncer à toute préoccupation, c'est entrer dans la vie filiale, c'est-à-dire accueillir Dieu en tant qu'il est notre Père. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !